grand-chose. Hein. Le réservoir est à moitié vide. Pour beaucoup d'entre vous, les temps sont durs. La sécheresse vous inquiète. Nous traversons une période difficile, mais tâchons de rester solidaires, de nous rassembler. Ça me va, je suis beau gosse. T'es superbe. J'ai bien une fête. À petite tête. Comment tu fais, toi, avec les filles? Tu les fais rire. Elles aiment bien ça. J'aurais qu'on parle de Joseph Bouzou. Il est revenu traîner dans ma ferme et il y a plusieurs dents de la fameuse qui ont disparu. Qu'est-ce que t'as été faire dans ces vaches? Je suis pas allé dans ces vaches, moi. Ah bon? Ça va? Je te donne un coup de main, si tu veux. T'arrêtes, Joseph. Les gens se plaignent. Tu fatigues tout le monde avec tes conneries. Tu vas voir. Tu vas moins te marrer. Il s'est passé quelque chose? Joseph avait de l'attachement pour toi. Tu t'en es aperçu? Si tu touches un cheveu de ma fille, t'es mort, Bouzou. Pourquoi votre fille n'a-t-elle pas déposé plainte? Pourquoi je l'aurais forcé? Tu sais qu'il est revenu. Pourquoi il respecte pas les règles, comme tout le monde? Il fait pas exprès, c'est pas de sa faute. Le jour où il fera une vraie connerie, il faudra pas se plaindre. C'est pas à moi! Quand on a traversé le village, il y avait les gendarmes qui mettaient des banderoles partout. Va-t'en! Faut faire quelque chose, hein. C'est bien grave, là.